Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite présentation d'une super petite paire de lunettes Bluetooth avec verre polarisé et des verres photochromiques. On va donc faire ensemble l'unboxing de cette paire de lunettes Bluetooth, les Smart Music Glasses. Bel accent, non ? Qu'est-ce que vous pensez de mon accent? Dites-moi ça en commentaire les amis, ça me fait plaisir. Les lunettes connectées pour la musique, le GPS, les conversations téléphoniques et tout ceci entièrement compatible iOS Android les amis. Aujourd'hui, petit déballage d'une belle paire de lunettes. On a donc une boîte rectangulaire avec la paire de lunettes Ultra Design. Des lunettes qui font très classe. Alors, on glisse la bague qui bloque la boîte. On ouvre notre paire de lunettes et voici cette magnifique paire de lunettes polarisées photochromiques. Donc ce sont des lunettes qui vont noircir suivant le niveau de soleil que vous allez avoir à l'extérieur et ce sont donc des verres qui vont vous permettre d'être devant un écran puisqu'ils vont aussi réduire les lumières bleues que vous avez devant vos écrans, que ce soit smartphone ou PC. Voilà, je vous mets donc cette paire de lunettes de très près sur votre écran pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité des verres bleutés, polarisés, photochromiques. Quel est l'avantage de cette paire de lunettes? Dès que vous rentrez dans une pièce sombre, les verres redeviennent blancs. Et le gros avantage de cette paire de lunettes, sur chaque branche, vous avez un haut-parleur juste en dessous de votre tempe. Sur la tranche de droite, vous n'avez qu'un seul bouton pour gérer l'intégralité de votre smartphone iOS et Android. Bluetooth 4.0, la possibilité d'évoluer via votre GPS, via votre musique, partout, sans avoir besoin d'avoir la musique dans vos conduits auditifs. Vous avez donc la totale liberté des bruits environnementaux en portant ces lunettes. D'autant plus que pour la gestion, décrocher, raccrocher, augmenter le son, déclencher Siri, déclencher Google Assistant, il n'y a qu'un seul bouton et ça c'est top. On verra donc la suite dans la vidéo. On va voir comment se servir de ce bouton par la suite. On continue le petit déballage. Une fois que vous avez enlevé votre paire de lunettes de sa boîte, vous levez la petite mousse qui les protège. Ensuite, vous tombez sur deux boîtes avec deux petits trous dans le fond. Une boîte où vous allez avoir une petite sacoche de rangement avec une petite lingette et la seconde boîte qui va contenir donc la notice et le câble pour les recharger. Alors comment se passe le rechargement de cette paire de lunettes? Via votre câble de rechargement aimanté, vous allez donc avoir le système de rechargement sur la branche de droite dessous. Vous allez donc pouvoir aimanter. C'est tout simplement un système d'aimant qui va recharger votre paire de lunettes. C'est vraiment chouette, pas besoin de rentrer quoi que ce soit comme câble, vous posez et ça s'aimante comme vous entendez là actuellement. Voilà, c'est instantané et ça recharge vos lunettes. Les boutons et le rechargement se trouvent côté branche droite de votre paire de lunettes. Alors grâce à cette paire de lunettes, vous allez donc pouvoir maximiser l'expérience sonore sans endommager vos tympans et avoir une aide auditive sans jamais perdre le sens des bruits environnementaux. Ça, c'est franchement génial quand on est malvoyant ou non-voyant. Cette paire de lunettes protégera aussi vos yeux pour les personnes malvoyantes, des branches que l'on peut rencontrer sur les trottoirs, des ronces, etc. quand on habite en campagne. Vous restez donc attentif aux bruits environnementaux qui vous entourent tout en écoutant votre musique, vos vidéos, voire même votre GPS dans cette paire de lunettes. Grâce au bouton qui se trouve sur cette branche de droite, vous allez donc pouvoir déclencher vos assistants vocaux, Siri, Google Assistant, Bixby, etc. Vous allez donc pouvoir rester concentré sur la route avec votre canne ou votre chien guide, tout en parlant au téléphone par exemple, puisque vous allez pouvoir donc répondre au téléphone, avoir votre GPS, votre musique, vos vidéos, donc sans obstruer vos oreilles. Bien sûr, donc ce sont des lunettes qui vont résister aux intempéries, donc pluie, vous allez pouvoir marcher à l'extérieur malgré un temps affreux. Alors, c'est une paire de lunettes classée IPX4,
L'avantage, c'est que les verres se teintent à la moindre lueur d'UV et redeviennent translucides dès qu'il n'y a plus d'UV. Ça veut dire que vous n'êtes pas gêné par des verres trop sombres lorsque vous êtes dans un endroit qui s'obscurcit, les verres redeviennent blancs. Une paire de lunettes casque qui va vous permettre de faire pas mal de petites choses très sympathiques. Et cette paire de lunettes, vous pouvez la trouver très simplement chez Cessia. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description sans aucun problème. Kit main libre avec le seul bouton que vous trouvez sur la branche de droite. La portabilité par rapport à votre smartphone est de 15 mètres. Vous pouvez laisser votre smartphone dans votre poche pour lancer des appels, lancer des itinéraires, etc. Le temps de chargement de cette paire de lunettes est de 2 heures, 8 à 10 heures d'autonomie, ce qui fait énormément de marche si vous en servez pour la marche. 8 heures pour les communications, 8 heures pour la musique, et vous avez donc une autonomie de veille de 120 heures. L'indice UV est de 400, les verres sont polarisés. Une petite paire de lunettes casque Bluetooth qui peut vraiment vous aider au quotidien à naviguer toujours plus en sécurité. Et bien sûr, la compatibilité iOS, Android, Mac, Windows. Cette paire de lunettes, vous pouvez la connecter à n'importe quel appareil compatible Bluetooth. Allez, on fait un petit test à l'extérieur. Je vais vous faire écouter comment on entend les instructions directement. C'est parti. Voilà, donc on trouve de chaque côté, à droite et à gauche, je vous mets de très près, sous les tempes, à côté des oreilles, chaque haut-parleur, qui sont assez puissants. On va les connecter à mon iPhone, c'est parti. Alors, je vous mets les lunettes vraiment de très près. Alors, côté design, je les trouve franchement sympatoches. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on les jumelle tout de suite à l'iPhone, c'est parti. Alors, on va les allumer. Pour les allumer, c'est un appui long sur le bouton marche-arrêt. Power on, connecting. On entend power on, connecté. On va donc aller dans réglages. Réglages. Bluetooth. Donc, lorsque vous les repérez dans votre Bluetooth, elle s'appelle J1. J1, bouton. On valide. J1, connexion en cours. Connected. On est maintenant connecté, puisque vous venez de l'entendre. Par exemple, je voudrais lancer Siri. Donc, tout se passe sur la branche de droite. Je veux lancer Siri. Je vais faire un double tap sur le bouton. Écoutez. Quelle heure est-il ? Il est 15h09. Et voilà, je viens de lancer mon Siri. En faisant un seul appui, je vais lancer la musique. C'est une façon de voir la vie en qu'un pays. Je rappuie sur le bouton, c'est terminé. J'arrête la musique, je la mets en pause. Si je reçois un appel, je fais donc mon numéro. Je reçois un appel, je décroche avec mon bouton une fois. Numéro masqué. Allô, oui. Oui, je suis là. Et pour accrocher, un petit appui sur le bouton de la branche. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle action? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit bouton qui sert à gérer l'intégralité de votre smartphone? Levez le doigt pour accéder à l'accueil. Voilà, donc je suis entièrement capable d'écouter ma route lorsque je suis en mouvement grâce à mes lunettes. Pour augmenter le son, je fais un appui très rapide sur le bas ou le haut du bouton. Je ne peux pas augmenter le volume davantage. Ou sinon, je demande à Siri, c'est tout simple. Comment aller à Paris? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Fermeture des plaines. Face App Store. Page 2. Adopt. Page Facebook. 16 nous. Page 4. La Dépêche. Le Parisien. Le Populaire. Lifts. Bien sûr, je pourrais faire avec mon smartphone, comme d'habitude, de la numérisation. Et j'évite que tout le monde entende ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est plutôt cool aussi.
Voilà les amis, donc on peut lancer directement la navigation. Allez, bouton. Je mets aller. 12 millions, bouton. Et c'est parti. Donc je m'éloigne de mon téléphone. Je mets mon téléphone dans ma poche. Et on va écouter si on a des renseignements qui sont bons. Donc ici, je me retrouve à peu près à 20 mètres. 20-30 mètres. Conduisez en toute sécurité. Tournez à droite. Donc on m'indique de tourner à droite. Là, ça fait un petit moment que j'étais dehors. Tournez à gauche sur rue des Sagnes. Voilà, ça fait un petit moment que je suis dehors. Vous pouvez voir au niveau de ces lunettes. Je vous les mets très près sur votre écran. Là, elles se sont super bien teintées. C'est vraiment le top, hein, au niveau de la teinture. Et on continue à marcher, c'est parti. On est en pleine tempête Barbara apparemment. Petite vidéo sympathique en temps réel sur la route, c'est cool. On y va les amis, c'est parti. Alors ces lunettes, je les trouve vraiment sympas puisque le niveau à gauche sur rue des Sagnes. Là, vous venez d'entendre à gauche. Donc il y a un bon retour. Hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est justement qu'elle se teinte au fur et à mesure du soleil. Ça, c'est plutôt cool. Tournez à gauche sur route. Voilà comment ça peut se passer. Vous êtes à l'aise, en fait. Vous avez vos lunettes. Vous avez vos lunettes connectées Bluetooth. Vous avez vos oreilles libres. Vous pouvez entendre la circulation. Une voiture qui vient devant là tranquille, c'est vraiment chouette parce que on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors dites-moi ce que vous pensez d'une telle paire de lunettes connectées. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous aimeriez tester ce genre de situation? D'ailleurs, si vous voulez les tester, vous pouvez contacter la société Cessia qui se fera donc le plaisir de vous prêter éventuellement les lunettes sans problème. Oula, il y a beaucoup de vent. Et vous voyez, en même temps que ça protège les yeux par rapport aux poussières, etc. Tout en ayant la connexion Bluetooth à côté des oreilles, c'est plutôt cool. Voilà les amis, merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que ce petit guidage via ces lunettes vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, à liker cette vidéo, à partager. Et surtout, je compte sur vous pour vous abonner nombreux. A très vite pour une prochaine vidéo les amis. Demi-tour, ah. Puis tournez à droite sur rue des Sagnes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Salut, salut.